France Musique. Il est temps d'accueillir notre invité du jour à 8h, presque 5 minutes sur France Musique. Notre invité du jour, qui est un Argentin au sang bouillonnant et à la tête foisonnante d'idées et de projets. On le connaissait chef baroque, à la tête de ses ensembles, la Capella Mediterranea, l'Orchestre Millennium, le chœur de chambre de Namur, spécialiste quasi obsessionnel d'un certain Francesco Cavalli et qui semblait crier depuis sa redécouverte de Michelangelo Falvetti, après moi le déluge. Mais il a plus d'une corde à son arc, car ce soir, c'est un orchestre tout ce qu'il y a de plus moderne, l'Insula Orchestra, qu'il dirigera à la scène musicale de Boulogne-Billancourt, dans un programme tout ce qu'il y a de pas baroque du tout. Serait-il en crise de reconversion? Nous allons lui poser la question, puisqu'il est avec nous ce matin sur France Musique. J'ai le plaisir d'accueillir Leonardo Garcia Alarcón. Le Kyrie de la messe du couronnement de Mozart avec la voix de Sandrine Pio, Renata Pokupic, Benjamin Brun, Andreas Wolf et l'Insula Orchestra, l'orchestre de Laurence Equilbet, et c'est Laurence Equilbet qu'on entendait là. Bonjour Leonardo Garcia Alarcón. Bonjour Clément. Ah, vous allez me dire pourquoi j'invite Leonardo et le premier disque qu'on écoute est dirigé par Laurence Equilbet. Ben, tout simplement parce que vous êtes ce soir à la tête, vous êtes le premier chef invité de cet orchestre de Laurence Equilbet. Absolument. À la scène musicale. Je suis très très honoré. En fait, c'est la première fois qu'Insula Orchestra reçoit un chef invité. Alors c'est pour moi une très très belle découverte d'un très grand projet que Laurence Equilbet a développé autour de la scène musicale et avec des instruments originaux. On sait à quel point aujourd'hui c'est vraiment une crise économique assez importante, surtout pour ce type de projet. Et qui ont vu la vie autour des années 50-60 du siècle dernier. Mais aujourd'hui, à Paris, a pu vraiment prendre vie autour de Laurence et Insula Orchestra, et vraiment avec ses instruments, ses musiciens extraordinaires. Alors c'est une très belle rencontre, aussi avec les chœurs Accentus, que je ne connaissais pas, ça veut dire que je connaissais qui est aussi le cœur de Laurence Equilbet, pour pouvoir donner vie à ces programmes très particuliers autour du Requiem de
Cherubini, Mercadante et Rossini. Oui. On va en dire un petit mot dans quelques instants. Leonardo Garcia Alarcón, vous avez eu l'occasion déjà d'aller visiter ce nouvel auditorium de la scène musicale sur l'île Seguin à Boulogne-Billancourt, dans l'ouest parisien. Ah oui, hier. Ah oui, on est en train de répéter là-bas. Mmh. Et hier, j'ai pu entendre une répétition de Sébastien Dossé avec son ensemble Correspondance. Justement, ils ont fait un concert formidable hier avec une messe de charpentiers de la musique des Italiens polyphonistes. Alors j'ai pu avoir justement cette impression avec un luth, avec de différentes voix placées un tout petit peu partout sur scène et comprendre que c'est vraiment une acoustique très généreuse, très claire et vraiment les harmonies qu'ils passent très très bien en salle. Il y a une très très belle émotion, grande intimité, alors une très très belle salle. C'est donc ce soir qu'on pourra vous entendre. Ça va être une longue journée pour vous, hein, puisque absolument. Vous nous faites le plaisir d'être là en direct ce matin sur France Musique. Et vous serez donc ce soir à la scène musicale, c'est à 20h30. Alors dans un programme qui est très étonnant pour vous, parce qu'on vous connaît bien, nous, comme un chef baroque, un spécialiste de musique ancienne, avec des Roland de Lassus et autres compositeurs de l'époque. Et alors là, rien à voir, c'est un programme qui s'intitule « Les Italiens à Paris ». Pourquoi ce titre ? Absolument. Dites-moi un peu le programme. Beaucoup de personnes à Paris ne savent pas et ne connaissent pas, c'est normal en fait, que Donizetti, Bellini, Mercadante, Rossini, bien évidemment, étaient des Parisiens. Ça veut dire qu'ils avaient choisi cette ville comme la ville pour vivre. On connaît très bien les histoires de Rossini à Paris. Tout le monde voulait dîner avec Rossini samedi soir. C'était vraiment pour un Parisien un grand prix des sociétés. Alors, je me suis dit, pour la première rencontre avec cet orchestre, pouvoir créer un programme autour des compositeurs italiens à Paris. Alors j'ai choisi une pièce d'abord de Rossini, qu'il a composée quand il avait 14-15 ans. Je ne sais même pas si c'est une première française, je pense que oui. C'est-à-dire il pianto d'Harmonia sur la morte d'Orfeo, c'est-à-dire oui, c'est ça, lamento d'Harmonia, ça veut dire de la musique d'une certaine façon, dans un terme plus large, sur la mort d'Orfeo. Et que c'est une pièce absolument madrigalesque, pour ténor soliste et chœur, justement, avec plein de lamentations du chœur aussi. Et l'orchestre, vraiment, dans un style très mozartien. On sait qu'on appelait Rossini il tedeschino, le petit allemand, parce qu'il connaissait tellement bien les Noces de Figaro, surtout, Così fan tutte. Et vraiment, on voit l'influence de Mozart et de Ponte. Et dans ses œuvres, aussi une symphonie de Mercadante. C'est une petite cantate en fait. C'est une petite cantate qui démontre quand même une voix virtuose des ténors, mais vraiment dans une déclamation un tout petit peu plus ancienne encore. C'est pas le Rossini de ses premières opéras. Et après, j'ai choisi une pièce de Mercadante, aujourd'hui inconnue. Ces opéras sont vraiment extraordinaires. Mais il faudra faire une redécouverte de ces compositeurs prochainement. Et Mercadante a écrit un hommage à presque chacun de ses collègues, Donizetti, Bellini. Mais ce qu'on va interpréter ce soir, c'est un hommage à Rossini autour de son Stabat Mater. Et il a composé, on disait qu'on chantonnait à Paris. Et à cette époque, le Stabat Mater de Rossini, tout le monde le connaissait. C'était une pièce très très populaire. Et lui, il a fait une symphonie avec des thèmes de cette œuvre. Et alors, on la jouera ce soir. Et aussi, bien sûr, les grands Requiem de Cherubini que j'aime. Le plus français, peut-être, de tous ces Italiens, non? Absolument. Cherubini. Oui. C'est vrai que tous, ils sont quand même pris dans leur accent, dans l'articulation, même dans les types d'instrumentation, quelque chose de la France. Et même Rossini, qui à Paris a retouché, par exemple, ses lamentos d'Orfeo à la fin de sa vie. Et mais Cherubini reste quand même, et surtout sa Requiem qui est à la mémoire, écrit à la mémoire de Louis XVI. Alors, et toutes ces couleurs avec les bassons, avec les saltos qui rappellent vraiment la France, avec les consorts des viols et tous ces funérailles des rois. Alors vraiment, avec ce Requiem qui est très très dionysiaque d'une certaine façon et très très madrigalesque dans le sens où tout est décrit et tous les deux mesures, des fois même à chaque mesure il y a une figuration et des paramètres différents. Alors je suis très admiratif comme Beethoven l'était à la fois et à l'époque il a voulu qu'à sa mort on joue sa Requiem. Pour lui c'était l'idéal des musiques sacrées, alors la pièce idéale. Alors je pense
que ça veut beaucoup dire, en fait. Un programme à découvrir donc ce soir à la scène musicale avec Maxime Mironov, le ténor, le chœur Accentus, l'Insula Orchestra et vous-même à la baguette, Leonardo Garcia à l'Arconne. Et puis un concert qu'on pourra nous découvrir dans quelques semaines, dans quelques mois sur France Musique, puisqu'il est enregistré par la radio. Allez, on va écouter un peu de musique. Un autre Italien qui, lui, n'était pas français du tout, mais qui vous passionne depuis plusieurs années déjà, c'est Francesco Cavalli. Quelle sensualité cette musique quand même, Leonardo Garcia à l'Arconne. C'était le récitatif d'Erismena, Speranze, voi che siete, au premier acte de l'opéra Erismena de Francesco Cavalli, avec votre chère et tendre Mariana Flores, et puis les musiciens de la Cappella Mediterranea de l'ensemble Clématis, avec l'excellent Thomas Dunford, hein, qu'on entendait là au luth. Avec le 7e énorme de dissonance, c'était extraordinaire, l'improvisation qu'il a fait, oui. Non, merci, c'est un très beau cadeau pour commencer la journée. Ah ben voilà, alors non seulement c'est un petit cadeau, mais surtout c'est quand même ce qui vous occupe principalement ces dernières années, entre autres, parce qu'on l'a dit, vous avez mille et un projets, mais c'est un compositeur quand même qui vous intéresse depuis longtemps. On vous a entendu monter Elio Gabalo au Stella Opera de Paris l'année dernière, il y a eu Elena d'abord à Aix-en-Provence, c'était en 2013, il y a eu Il Giazzone toujours de Cavalli, c'était à Genève l'année dernière aussi, Erismena en version mise en scène, ça c'était au Festival d'Aix-en-Provence, vous étiez venu nous en parler d'ailleurs au micro de France Musique, et puis ça avait été diffusé le 12 juillet dernier, toujours à Aix-en-Provence. Vous êtes le spécialiste mondial de Cavalli maintenant. Et je ne sais pas vraiment, mais je suis vraiment un très très grand passionné. Et j'admire beaucoup le travail qui a été fait par Raymond Lepard, plus tard avec René Jacobs, et Gabriel Garrido aussi, et beaucoup d'autres chefs, mais les partitions de Cavalli m'ont beaucoup dit, m'ont beaucoup parlé, et vraiment avec Cappella Mediterranea, on a entrepris vraiment la lecture de ces quatre pièces. Maintenant, on est parti à d'autres compositeurs aussi autour de Cavalli, par exemple Antonio Draghi,
où on fera une création à l'Opéra de Dijon, et c'est mois de juin, ça veut dire... C'est lui qui avait composé un tremblement de terre, non? Absolument, qui a très, très bien interprété justement les poèmes harmoniques de avec Vincent Demestre maintenant. Et en fait, j'ai retrouvé grâce à Jean-François Latarico, et un spécialiste de la musique de cette époque, simplement à Vienne, une partition qu'on pensait qu'était en italien. Il promettait dans tous les catalogues, mais en réalité, quand j'ai ouvert la partition, El Prometeo, en fait, c'est en castillan, 1669, Vienne. Et on sait que toutes les fêtes étaient chantées en espagnol à cette époque, à Vienne, en 1670. Alors, on verra cette création à l'Opéra de Dijon, où on commence une résidence, cette année 2018, avec ce Prometeo. On connaît très, très bien l'histoire de Prometeo, ça veut dire, très associé à Frankenstein. Vous savez que Frankenstein, Marie-Gilles, il appelait même Frankenstein ou les nouveaux Prométhée. Une histoire où on va auprès de Zeus, Prometeo, pour essayer de donner vie à une statue qu'il aime tellement. Et lui, il va les châtier à vie avec une aigle qui va lui manger les tripes. Alors, une histoire très, très forte, mais autour de l'époque des Calderón de la Barca et de tous ces siècles d'heures de la littérature espagnole. Il faut avoir le foie bien accroché hein, pour aller voir ce spectacle. Ça sera donc El Prometeo, 14 et 15 juin à l'Opéra de Dijon. On disait en début de concert que ce soir vous dirigez la musique de Rossini, la musique de Servio Mercadante. Vous en avez marre de la musique ancienne, du baroque? Non, pas du tout. Leonardo Alarcón. Pas du tout. Pour changer comme ça d'atmosphère. J'en avais soin de parler avec les âmes des compositeurs. Bien sûr que quand je rentre dans l'univers des Cherubini, pour moi, il y a Cherubini qui existe. C'est-à-dire que, bien sûr, j'ai fait de la musique, ça, tout simplement, peut-être, je vous l'ai dit une fois, quand j'étais enfant, c'était Bach. Bien sûr, alors, c'est tout ce qui touche Bach, avant ou après. Alors, ma vie musicale a commencé comme ça. Et bien sûr, quand j'ai un dialogue avec un compositeur, soit Rossini, soit Cherubini, soit Mercante, soit Beethoven... Mozart ou même plus tard, je ferai du Mendelssohn par exemple avec la Philharmonie d'Anvers cette année, Shostakovich au Maggio Fiorentino aussi. Alors ça c'est vraiment un dialogue avec chaque compositeur qui m'amène à un univers qui est assez unique. Alors j'essaye de vraiment profiter et de ces moments de solitude avec eux. À ce rythme-là, vous allez finir par diriger Schoenberg, Webern et Alban Berg. Oui, pour le moment. Et je suis un tout petit peu lointain de cet univers, mais Shostakovich, non, par contre. On va écouter de la musique. Alors, vous avez parlé de Bach, un compositeur que vous aimez beaucoup, que vous avez enregistré aussi, d'ailleurs, avec vos ensembles. Hein. Oui, absolument. Des cantates. Des cantates, drama per musica, ça veut dire les cantates, les grandes cantates pour le café Zimmermann. Oui, voilà, oui. Des cantates profanes de Bach. Alors, la musique de Bach, cette fois, on va l'entendre sous les doigts d'une pianiste qui n'est pas du tout... Alors, on n'est pas du tout dans une interprétation baroque, là encore. C'est vous qui l'avez choisi. Je crois que c'est un petit peu votre coup de cœur du moment. Absolument. On l'écoute. Depuis très longtemps. Et puis on en reparle juste après, Leonard Degas. Thank you.
Joli document d'archives que vous nous apportez ce matin, Leonardo Garcia Alarcón. C'était la cinquième des inventions à trois voix, BWV 791 de Jean-Sébastien Bach, sous les doigts de Marcel Meyer. Ah, mais alors, j'étais très étonné que vous nous proposiez ça. Je me suis dit, un chef baroque qui travaille à retrouver justement une interprétation d'époque sans rubato, sans vibrato. Et alors là, vous choisissez la version carrément romantique, carrément lyrique de ce Bach. Vraiment, vous avez entendu, ça veut dire les pianos français entre deux guerres, au XXe siècle bien sûr, et vraiment ces pianos, comme vous l'avez entendu, ça veut dire avec ce type d'ornement, qui nous apprend tout sur les ornements baroques, et qui nous apprend comment les conduire, comment les amener. Ces pianos perlés, qui étaient tellement aimés de Ravel, de Debussy, vous savez, il était très très ami au compositeur, au groupe des six, la pianiste préférée de Ericsati, très ami à Jean Cocteau, et aussi bien sûr Alfred Cortot, qui l'a considéré la pianiste française. Vraiment, je pense qu'elle a tout à nous apprendre sur ces jeux qu'on croyait perdus, et surtout après la Deuxième Guerre. Et on a passé, et surtout avec des instruments plus grands, dans lesquels on ne pouvait jamais avoir une approche de la musique baroque comme elle vient de le faire. Alors, Marcel Meyer, je voulais le partager surtout avec la France, qui nous écoute, et pas seulement, pour rappeler qu'elle a existé, qu'elle était là. Elle est née à Strasbourg, elle est française. C'est une des plus grandes musiciennes que je connaisse, et pour moi, un des grands coups de cœur, surtout ses interprétations de Rameau, de Couperin, de Bach, bien sûr, ont, je pense, beaucoup fait aussi pour la redécouverte de la musique ancienne, plus tard, avec des instruments originaux. Alors, grande admiration pour elle. Et bien sûr, quand on entend du Ravel, par exemple, par elle, c'est une nouvelle manière d'approcher cette musique. Même moi, en Argentine, que j'entends de Ravel par beaucoup d'autres pianistes, bien sûr, je ne vais pas nommer ici. Mais quand je l'entends par elle, c'est comme si je reviens à quelque chose d'original, de fondamental. Comme si Ravel était en train de nous raconter sa musique pour la première fois. C'est un autre extrait de Marcel Meyer. C'était donc La pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel, dont vous nous parliez à l'instant. Mais c'est absolument sublime. Il y a le silence qui règne dans le studio à l'heure où on écoute ça, Leonardo Garcia Alarcón. Oui, c'est un mot. J'aimerais une fois entendre un orchestre qui puisse faire justement l'orchestration de cette pièce avec ce qu'elle nous propose là et que ça vient directement du compositeur. Quelque chose qui, comme on a vu, ça veut dire qu'elle joue la pavane comme une invention de Bach. Mmh. Et c'est un grand clavicorde, on dirait. Et c'est cela que j'aime d'elle, et j'aimerais beaucoup le rappeler avec beaucoup de collègues pianistes, à quel point elle peut nous inspirer sur comment aller chercher les silences et pas seulement exacerber les sons.
et comme on apprend aujourd'hui beaucoup au conservatoire, sinon aller chercher et poser les notes dans le silence. C'est une musique que vous avez dans votre iPod, Leonardo Garcia Alarcón, que vous écoutez régulièrement chez vous à la maison? À dire vrai, c'est une découverte mon fils Francisco. Et que je lui faisais entendre, bien sûr, les inventions à trois voix par elle, bien sûr, parce que comme c'est une musique qui a été écrite par Bach pour ses enfants, je trouve qu'il y a une tendresse énorme. Et maintenant, on passe avec Francisco vers Ravel, Debussy, par Marcel Meyer, bien sûr. Mais en tout cas, je peux dire que je lui fais écouter beaucoup Marcel Meyer. C'est vraiment une musique à la maison, on dirait. Il est chanceux, le petit Francisco, quand même. Avoir son éducation musicale par Leonardo Garcia Alarcón en personne, c'est quand même pas à tout le monde que ça arrive. On va devoir se quitter dans quelques instants, Leonardo Garcia Alarcón, non sans avoir donné quelques dates de concert à venir. Vous irez du côté de la musique française de nouveau avec les motets de Lully. Ce sera à Versailles le 6 février prochain. Retour à Cavalli les 9 et 10 mars, toujours à l'Opéra de Versailles avec Il Giazzone. Et puis La Passion de Veneziano, ça sera le 30 mars, toujours à Versailles. Une nouvelle production du King Arthur de Purcell du 27 avril au 2 mai chez nos amis suisses au Grand Théâtre de Genève. Et puis on l'a dit tout à l'heure, la création mondiale d'El Prometeo, donc cette redécouverte 14 et 15 juin à l'Opéra de Dijon. Ce soir bien sûr, on peut toujours aller vous entendre à la scène musicale à Boulogne-Billancourt dans ce programme de compositeurs italiens du 19e siècle à Paris avec l'Insula Orchestra et le chœur Accentus. Et je voudrais qu'on se quitte avec un répond absolument sûr sublime, que vous nous avez fait découvrir au disque il y a tout juste 2 ans à peu près, oui. Avec cette passion selon Saint Jean, Passio Secundum Ioannem, d'Alessandro Scarlatti. Dites-nous un tout petit mot avant qu'on écoute et qu'on se quitte. Scarlatti a écrit cette passion, mais il a aussi écrit des réponses autour de la passion qui sont très peu connues. Autour des 70, Jérôme Lejeune, directeur de Label Recherchart, m'a proposé pourquoi pas faire un dialogue entre ces réponses à l'intérieur de la passion, et c'est de cette manière qu'on a choisi 6 réponses à l'intérieur comme des moments philosophiques autour des méditations, autour de la passion. Alors les disques commencent de cette manière avant qu'on annonce la passion selon Saint-Jean. Plange quasi virgo, c'est absolument sublime cette musique. C'est avec le chœur de chambre de Namur sous votre direction, Leonardo Garcia Alarcón. Un grand merci d'être venu nous voir ce matin. Merci sur France Clément. Musique. Thank you.
une musique absolument fondante. C'est magnifique, c'est génial. Et c'est l'un des répons, justement, de la Semaine Sainte d'Alessandro Scarlatti. C'est extrait du disque de la Passio Secundum Ioannem de Scarlatti par le chœur de chambre de Namur, les musiciens du Millennium Orchestra, tous dirigés par leur chef et fondateur, Leonardo Garcia Alarcón. À réécouter sur francemusique.fr.